Allô tout le monde, depuis 2019, j'ai jamais fait de vidéo où j'étais en train de pleurer. Je veux aujourd'hui dire à toute la nation que je souffre la joie d'une mère. Le plus beau cadeau qu'une mère peut avoir, ce sont ses enfants. J'ai jamais pensé que moi Valentine, je vais perdre mes enfants. Après un certain âge, je ne dors pas. Je ne suis plus la même. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pu faire. Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais, Didier? Didier s'est donné corps et âme pour la musique ivoirienne. Didier. Travailler, on pouvait tout lui reprocher, mais il a travaillé d'arrache-pied pour la musique qui fait rien. Aujourd'hui, on l'a oublié. On l'a oublié déjà. La dame qui l'a cogné, elle a en cavale. Comme si mon fils était un légume. Ses enfants qui grandissent. Aujourd'hui, même un petit coup de fil pour me dire, est-ce que ça va? Tu ne rappelles à personne. Lui qui me disait, maman, je t'aime plus que tout, c'est ce qu'il me disait. Aujourd'hui, il n'est plus là. C'est pas Ange Didier que vous avez tué. C'est moi. Maintenant qu'il est mort, vous êtes content de mais sachez que il a été le premier à ramasser les trophées. Sachez que il a été le premier à vivre dans un certain luxe. Il a été le premier à faire des hits sur des hits. Parce qu'il était l'enfant de Wampier et de Lumumba. Je n'arrive pas à faire mon deuil. Quand je pense qu'on a pillé l'enfant, même la voiture, ses motos, ses casques, est-ce qu'il méritait qu'on lui fasse tout ça? Regardez mes larmes. C'est les larmes d'une mère qui souffre. C'est les larmes d'une mère qui souffre. Je souffre, mon amour, regardez, mais là, les gens font des vidéos, tu n'as pleure pas, tu n'as pleure dans son ventre, je pleure dans mon cœur, mais aujourd'hui c'est pété, mon enfant me manque, jamais fait comme ça, mais aujourd'hui je vais me filmer, pour vous dire que la mort est douloureuse, la mort fait mal. La mort, il m'a équipé ses enfants. La mort, mon seul garçon. Mon enfant, de la manière que tu étais, un homme, tu étais un guerrier. Si tu sais, que c'est Dieu. Repose en paix. Mais si tu sais qu'on t'a poussé dans ta tombe, on se dit, on fait ce que tu as fait. Je suis fatigué. Aucune voiture, aucune maison, aucun argent. Je peux me consoler. La seule chose qui peut me consoler, de revoir mes enfants. Regardez-moi bien, c'est ça mes journées, je vais rester en train de pleurer. Je ne cherche pas la compassion de qui que ce soit. Mais arrêtez
d'aller verser des haricots sur sa tombe. Arrêtez. Si vous ne pouvez pas faire des prières pour lui, n'allez pas jeter des haricots sur sa tombe. Arrêtez. Laissez-le. Laissez-le tranquille. Laissez-le, il est l'enfant de Dieu. Aujourd'hui, il n'est plus là. Il n'est plus là. Faites votre showbiz, maintenant. Faites votre accoupé. À décaler. Mais on ne voit rien. Parce qu'il est parti avec ça. Il est parti avec ça. Il est parti avec ça. Il est parti avec. Quand je suis catholique chrétienne, je suis catholique, je pense pas mal de quelqu'un, mais c'est Dieu seul, qui va régler cette histoire. Même un fou, quand on condamne un fou, un cogné fou, il va en prison. Mais pour moi, dans la cogné, la personne n'est pas en prison. C'est un droit d'auteur. On dit, il y a une loi. Parents ne touchent pas. Millions là. Et les femmes là qui damassent ça. C'est pas un problème parce que l'argent, si ça peut faire du bien à ces progénitures, tant mieux. Mais comme c'est pas le cas, je suis blessé dans mon âme. Ne pensez pas que mon silence, effectivement, je me suis calmé depuis un certain moment. Je ne fais plus de vidéos. Je suis en train de souffrir. Je suis en train de souffrir dans le silence. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Aimer un artiste, c'est de prendre un temps à la même manifestation pour demander une minute de silence. On ne va jamais oublier DJ Arafat parce qu'il est inoubliable. Mort à 33 ans. Mort à 33 ans. C'est Dieu. Et Dieu. Il va gérer cette histoire-là. C'est Dieu qui va gérer cette histoire-là. Vous m'avez endeuillé. Vous m'avez arraché mon bijou. Ah, Tina, tu es forte. Non, je suis un être humain, je ne suis pas forte. Je souffre. Je vous montre mes larmes parce que je suis là comme ça. Puis pourquoi je ne conduis pas? Je ne conduis pas à cause de ça. Parce que je peux être là en train de conduire. Et puis un coup, ça vient. Un coup, ça vient. Ange Didier. Carla. Il me reste un seul enfant. Je ne cherche pas que vous ayez pitié de moi. Je monte cette vidéo pour que toutes les mères qui ont perdu un enfant, que ce soit à l'accouchement, que ce soit je ne sais comment, si tu ne meurs pas, tu peux devenir folle ou craquer. Il y a des jours où je craque et voilà, aujourd'hui je craque. Je veux partager ça avec vous. Je veux partager ça avec vous. Yeah.
famille, vraiment. C'est rempli beaucoup de tristesse et d'émotion, les larmes de Tina Glamour, qui pleure son fils Didier Arafat. Et Didier Arafat, le regretté Didier Arafat, on ne cessera jamais de penser à lui. Et vraiment, je reste sans mots par rapport à cette vidéo. Commentez, likez, partagez.